Ravi de vous proposer aujourd'hui un morceau des Doors. C'est une grande première sur cette chaîne. On m'a fait la suggestion de faire ce morceau. Effectivement, en l'écoutant, parce que je ne le connaissais pas, eh bien, j'ai été totalement enthousiasmé. C'est un blues d'un groupe de légende. Donc, les Doors et les fans eh bien, de Robbie Krieger vont peut-être apprécier, en tout cas, je l'espère. Donc, avec le pouce, vous allez jouer la corde à vide deux fois, comme ça, avec ce mouvement de swing. Vous allez faire un demi-barré, soit avec le doigt numéro 1 sur les cordes de Sol et de Si à la deuxième case, soit avec le doigt numéro 2. Et ensuite, juste après, en fait, on a ce petit grace note, cette appoggiature. Donc vous devez jouer en fait la case numéro 1, mais comme si vous arriviez en retard avec la corde à vide. Ensuite, sur le contretemps, deuxième case corde de La. Et vous pouvez, juste avec le pouce, jouer 0, 1, 2 sur la corde de Ré. Pourquoi je dis « vous pouvez également faire un hammer-on. Vous aurez un son un peu plus doux. 1, et 2, et 3, et 4. 1, et 2, et 3, et 4. Ensuite, vous avez cette petite phrase qui apparaît en fait dans le deuxième cycle. On est sur la pentatonique de mi mineur, 3 avec un léger bend. Il ne faut être pas un gros bend, hein, c'est très très léger. 0, 3, 0, 2, 0. Donc ça c'est pour faire une petite démarcation. Quand on décale en La, on a essentiellement la même chose au niveau des notes, c'est vraiment la transposition même. Deux fois la corde à vide, le demi-barré, septième case, la grace note simplement sur une seule corde, 5-6, la tierce majeure, le do dièse, et le petit enroulé de triolet. On arrive à la mesure 14, et ça c'est mon passage préféré, le fameux, où vraiment il va suivre le si majeur. (2, 4, 2, 4, 2, 4, 3, 2). Il revient donc sur le motif en La, septième mineur, le Sol. Le petit bend à la troisième case, à vide, deuxième case corde de Sol, deuxième case corde de Mi, la première, appoggiature, tierce majeure de Mi. Ensuite on a le fameux, alors ça vous pouvez en fait faire simplement une appoggiature et ensuite des triolets de croche. Très simple, donc deuxième case corde de Ré, en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attention le bend. Ne faites pas un gros bend. 5, 3, 0 sur la grosse corde. Le rappel du Mi. 0, 1, 2. Petite appoggiature sur la première case de la corde de Ré. On revient deuxième case, corde de La. Et 0, 1, 2.
le turnaround ensemble à partir du si, la mesure précédente. Si vous le jouez avec un copain, ce blues, vous lui demandez de vous faire la rythmique typique blues à partir de la deuxième case, quatrième, cinquième, quatrième. Comme ça, vous lui demandez de suivre les accords. Pour le jouer bien, ce petit blues, il faut vraiment être dans l'esprit. Alors, le jouer bien, bon, vous le jouez comme vous voulez, bien entendu. Vous savez, il n'y a pas de règle avec le blues. On ne va pas se casser la tête. On ne va pas dire qui c'est qui est le meilleur. Ça, on s'en fiche. Mais quoi qu'il en soit, Robbie Krieger, c'était un guitariste qui était... ou c'est toujours un guitariste. Hein, il est évidemment il est toujours vivant. Mais c'est vrai que dans ses enregistrements à sa grande époque, on va dire... on entend que c'était un guitariste discret, j'y arrive, qui mettait toujours son talent, ses compétences au service de l'ensemble, au service de la musique. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui se mettait en avant. Et cette guitare, elle est très, très légère. On ne claque pas les cordes. Hein. Ça, vous ne le faites surtout pas. À la façon d'un John Mayer. Alors attention, je suis fan de John Mayer, il n'y a absolument aucun souci. Mais là, c'est vraiment pas dans l'esprit du truc, c'est vraiment une guitare très très discrète. Donc je tire presque pas sur la corde. C'est-à-dire la grace note, l'appoggiature. On ne doit pratiquement pas l'entendre. On doit l'entendre quand même. Pour être encore plus doux, je vous permets de faire des hammer-ons. Donc ça, ça va être à vous de voir, les amis. Attention, je n'ai pas couvert le solo, qui est très sympa également à jouer, mais j'ai fait la transcription. Donc vous avez accès aux tablatures format PDF et format Guitar Pro. Vous pourrez travailler le solo, qui est très très basé sur ce que je vous ai déjà montré. Donc ça va tourner plusieurs fois, mais vous avez déjà rien que jouer ce que je vous ai montré, eh bien vous allez faire tourner tout le morceau comme ça en entier. Donc la transcription est complète, elle vous attend. Merci beaucoup de votre support, de votre fidélité, de vos commentaires sous mes vidéos, je les apprécie énormément. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Bye bye.